Des syndicalistes et militants des droits de l'homme ont participé lundi à Bruxelles à un match de football pour dénoncer les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers du Mondial 2022 au Qatar. La rencontre consistait notamment à éviter de toucher un travailleur installé dans une bulle, symbole des droits qui sont censés le protéger. Un ouvrier meurt tous les jours au Qatar, souligne cette représentante syndicale. Nous demandons au gouvernement d'agir. Les droits des travailleurs, leur vie, doivent être plus importants que l'argent. Les organisateurs de cette rencontre militante portaient un maillot floqué de l'inscription « Ne jouez pas avec les vies des travailleurs ». Ils l'ont remis au président de la Fédération belge de football. Nous soutenons le message adressé par les syndicats, dit-il. Les ouvriers au Qatar doivent travailler dans les meilleures conditions possibles. L'annonce de la mort supposée d'une quarantaine d'ouvriers népalais cet été sur les chantiers du Mondial au Qatar a provoqué une vague d'indignation auprès de plusieurs ONG et syndicats qui assimilent les conditions de travail dans le pays à de l'esclavagisme.